en compagnie d'Aliette Faurien, du Haras de Montaigu, qui vient d'acheter le lot numéro 68. C'est bien ça, Aliette, une jeune pouliche. Alors explique-nous pourquoi tu as décidé de renouveler les souches. C'est amusant parce que cette pouliche, en fait, on l'a eue à la maison pour la préparation. Et puis elle m'a beaucoup plu. Bon, elle est par Galiléo, elle est proche parente de peintres célèbres. Donc on cherche des souches pour vraiment pour international, quoi, avec des qui fassent des poulains qui viennent au mois d'août à Deauville. Bon, elle remplit ces cases-là, hein, parce qu'elle a Galiléo, peintre célèbre, on ne peut pas trouver beaucoup mieux. Elle est belle, elle a beaucoup d'espèces. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver un étalon qui lui convienne. Mais je pense qu'elle est assez facile à croiser. Une petite idée déjà? Non, parce que en fait, on ne pensait pas vraiment l'acheter quand on est arrivé. On n'a pas encore réfléchi, mais on va trouver facilement. Alors, on l'a acheté en partenariat avec Jean-François Gribaumont, qui est un propriétaire qui nous fait confiance, avec lequel on travaille depuis 30 ans, nombreuses années. Et avec lui, on a l'une rouge qui nous a beaucoup apporté, mais qui est vieille maintenant. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on renouvelle. On continue à être partenaire sur quelque chose de bien. Donc voilà, on a acheté cette jument-là. Ça fait un an, tu m'arrêtes sans doute si je me trompe, ça fait un an que les noms de Rebourcière et Montaigu sont maintenant dissociés. Rappelle-nous. Alors celle-ci, c'est Rebourcière. Parce que nos juments personnels, c'est resté la Rebourcière. Et tout ce qui est commercial, étalonnage, pension, c'est Montaigu. Et combien y a-t-il actuellement de poulinières à la Rebourcière? Une vingtaine. Du renouvellement dans l'air? Oui, parce qu'on en a qui vieillissent. Hein. On a quand même, et maintenant, il faut renouveler. Hein. Il faut commencer. Donc celle-là est toute jeune, elle a 3 ans. Donc elle, voilà, c'est une nouvelle. Et je pense que c'est bon, c'est des papiers intéressants. Hein. Une nouvelle ère, une nouvelle génération. Voilà. Merci beaucoup, Aliette. Bravo.